Donc là, je suis au distributeur de billets. Je reste toujours un petit peu vigilant quand même, parce qu'on sait que c'est un lieu qui n'est pas très sécurisé généralement et qui attire les voleurs. Donc forcément, je tourne le dos. À ce moment-là, un voleur arrive et tente d'attraper le billet qui vient juste de sortir. Je tout de suite, j'attrape le poignet de façon à immobiliser sa main et avoir une prise. Et ensuite, je suis, puisqu'il est en train d'essayer de se sauver, je le suis et je rentre Wakigatame. Si j'ai le temps, je mets un atemi au passage, sinon, c'est pas la peine. Mais je contrôle ici par une clé sur le coude. Donc la même situation, mais c'est l'autre main qui arrive. Je ne choisis pas la main de l'agresseur, donc dans tous les cas, ma réaction est la même. Je saisis immédiatement ce qui passe sous ma main, c'est-à-dire son poignet. Donc dans ce cas-là, exactement le même mouvement de vouloir plaquer. Forcément, lui veut retirer sa main. Je suis. Puis, et là, je rentre sur une clé de poignet. Je contrôle, je retire mon billet, je peux frapper et je contrôle la situation.